l'égard du pasteur. Donc c'est ça que fait sœur D. Non, moment ça, yo prêté bouche moi, yo capable tout. Merci pour loyauté ou, merci pour fidélité ou. Dans le combat, dans le sang, dans le travail, ça, que nous sommes avec lui. Et non seulement, il montre que loyal, mais c'est aux femmes qui montrent l'obéissance. Obéissance. Et à cause de l'obéissance, on a réalisé, donc, pas jamais gagné, yon zizani, pas jamais gagné, yon redit, si pasteur Boucher dit, de. Et puis il prend pour déplacer. C'est pas ça? Vous t'avez dit pas ça? Bon, oui, parce que j'ai dit là. Hein? Tout, et puis suite. All right, c'est ça. Yeah. Depuis, parce que dit tout, et puis ce dessin dit suite. Tout suite. Donc, ça, c'est le monde vraiment qui a travaillé. Deuxième mot, on te dit, c'est le monde qui consistance. Il y a consistance. Là dans les nombres que c'est au monde qui vraiment gagne conviction, limiter caractère avant certaines choses qu'on est capable de réaliser, monde qui est capable de considérer comme pire bon bagaille, mais gagne caractère là, lui jouer un peu le rôle tout dans le ministère là, dans le dévouement, dans le travail là, gagne. Yon adage anglais qui dit who you are is more important than what you do. Son yer est plus important parce que son fait. Parce que gen moun ka fait, mais yo pa réellement prouvé ça nan façon que yo vive, nan façon que yo agit, nan moun ki bon côté yo. Yo pa rien. Donc, ce D, c'est au monde qui réellement consacre. Ce D, ça n'est pas au monde qui réellement a peur pour le capable de montrer que les différents des autres. Parce qu'il y a des gens qui a cherché conformité, il y a des gens qui a cherché pour être capable de voir, pour être capable de faire plaisir à foule-là, mais lui-même il cherchait normalement pour que lui capable yon moun que yo dit 10 ou lat mais il kembe loyalité li il montre le différent dans son sens. Amen. Il montre l'intégrité. Gayon l'autre adage yo dit if you don't stand for something you will fall for anything. Si vous ne campez pas pour un bagage, vous tombez pour qu'il n'y ait pas de bagage. Donc, c'est à votre plan, vous campez pour le Seigneur, vous campez pour travailler, vous campez pour ça qu'il a fait pour bon Dieu. Et le pour le faire, et faire bien pour le Seigneur. Donc, ça ne fait pas tomber pour qu'il n'y ait pas d'autres bagages. Mais par contre, Sœur Desalines, l'Église la remercie. Remercie. Troisième mot, on parle qu'un de notre troisième mot, c'est coopération, coopérer. Il y a des fois où pas un monde qui veut coopérer. Donc c'est avancement, il veut coopérer, il cherche moyen pour être capable de coopérer avec ceux. Parce que dans la vie femme-sœur, nous tous nous gagnons et pensées différentes. Nous tous nous moins différents. Mais faut-il bien qu'il y ait un monde qui est en hiérarchie, qu'il y ait un monde que bon Dieu placé, il faut coopérer avec le monde qui s'appelle placé. Amen. Coopérer. Ça ne peut pas faire un rien si toutefois vous coopérez. Même l'homme qui est toujours dit ça, surtout parfois dans l'église, nous avons toujours agi dans la condition comme si, pourvu que gagner une majorité, qui accepte pour nous déplacer chez ça, même si 3 ou 4 ne sont pas d'accord pour chez à déplacer, mais depuis 50 personnes qui l'a dit non, nous sommes d'accord pour chez à déplacer, nous trois autres nous obligés de coopérer, accepter chez à déplacer.
Amen. Donc, c'est les sœurs qui réellement coopérer. Bon Dieu, remet coopération, la chercher coopération. Bon Dieu, c'est pas un monde qui a cherché pour compétition, la chercher coopération. Donc, si l'Église réellement, tout le monde a cherché coopérer, nous pas d'avoir un problème. Donc, la, non gardé dans Néhémie, nous songer Néhémie était gagné pour bâtir muraille de Jérusalem qui était en ruine et le rentrer il commençait à chercher coopération de ces personnes, il y a un monde qui mettait ensemble avec lui vraiment puis reconstruit muraille là, mais il y a quelques monde qui pas d'accord pour coopérer. Il dit ah qui t'aime chez bâti même les son regard qui passait là jeté tout barrette. Nous besoin monde qui bâti et non pas débattir. Amen. Moun ka bâti, moun ka construit. Et servante là, c'est moun comme ça qui là pour construire. En nous disant merci d'être que ce monde qui coopère dans le travail de Dieu. Travail de Dieu. Merci. Donc Paul parlait de coopération et par Épaphrodite dans trois mots. Tout d'abord, il dit c'est un frère. Dans verset 25. Il dit, c'est un compagnon d'œuvre. Tout d'abord, il dit son frère. Deuxièmement, il dit son compagnon d'œuvre et mon compagnon de combat. Trois bagailles. C'est une sœur, c'est une servante, mon compagnon de genou dans le travail là. Et puis son monde qui a bataille. Bien aimé, sous c'est un monde qui est enrôlé dans l'armée, il faut avoir des âmes. Ou pas qu'à marcher sans zam parce qu'on a un ennemi qui est autour de vous et puis il faut que vous ayez un zam pour capable terrasser l'ennemi. Donc, il y a dans l'évangile là pour besoin de monde comme ça. Qui non seulement un seul, un frère, il est son compagnon de travail et au monde qui a bataille pour le Seigneur. Donc, jusqu'à encore là, nous voulons dire, même parole qui te dit, maman te dit, c'est encore dans le même contexte ça. C'est une sœur, c'est un monde qui travaille, c'est un monde qui est réellement sous genou, et il a besoin de faire appel à lui. Donc c'est ça, un monde qui a coopéré. Un monde qui est réellement de confiance. Ouais, un monde de confiance. Il y a un monde qui est fier, il y a un monde qui croit dans le travail là. Ouais, il y a un monde qui est fier. Donc sœur de Saline, c'est un monde de confiance. On n'a pas besoin de dire en pile, c'est un monde de confiance que lui est. Et finalement, l'autre CIA, c'est un monde qui a courage. Courage. Il y a quelques bagailles qui m'ont dit qu'il faut avoir courage pour camper pour eux. Vous avez besoin de découragement. Vous avez besoin de monde qui ne peut pas camper. Mais vous-même, il faut obliger quand? Camper. Donc, à cause du courage, sœur de Salim. Parce que non, ouais, moi-même, personnellement, je connais le travail que je fais. Il n'est pas facile. Donc, mais il y a courage. Donc, dire merci pour le courage. Et l'on fait travail, ça y est comme ça. Songez parabole des talents, Matthieu chapitre 25. Dans le dernier verset, songez parabole ça. La dit, venez, bon et fidèle serviteur. Venez, bon et servant, fidèle servante. Job well done. Job well done. Hopefully, nous espérons que pendant déplacement, son déplacement à dit, c'est pas aller qui était net, mais. Là, on déplacement et puis là, temps fini. Donc, on a prié pour que le Seigneur capable de voir les gens qui ne peuvent pas remplacer. Parce que l'unique de parler, mais les gens qui sont au moins tout prêt pour être capable de bailler, bourrage, que lui-même dit qu'on va. Est-ce que là? On a prié pour que bon Dieu capable de voir les gens qui sont réellement presque tant pour lui-même. On va arriver, même Jacqueline. Parce que lui-même, c'est ça. Bon Dieu, tu es balé comme talent, il kembe talent, il fait travailler. Donc, mais bon Dieu est capable de gagner l'autre monde, même Jean,
qui est capable non seulement un monde de compassion, un monde qui gagne qui ça nous dit consistance, un monde qui gagne coopération, un monde qui est capable de gagner commitment et engager tout bon vrai, mais en même temps un monde qui gagne courage. Donc sœur Dessalines, dans l'église là, nous remercions. Et là, nous avons fait faire que bon Dieu est capable de bénir dans le ministère, pour toujours continuer. Parce que, donc, qu'est-ce que nous avons fait avec ce serviteur là pour nous? Et je crois que c'est le moment qu'on y a pour capable réjouir ensemble avec lui. Parce que après, depuis 15 ans, après 15 ans de séparation, donc si on y a là, c'est mettre Kabrit là, mander Kabrit là, c'est pour parler Kabrit là. Avant? Parce que nous revenons là, qu'on y a, c'est pour nous mettre la main dans la main comme ça. Au moins, nous avons dit l'autre, descendre, nous avons dit l'autre côté. Pas vrai? Donc c'est ça que nous avons obligé de faire et nous encourager et nous dire mon Dieu merci. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de bénir.